Il y a deux facettes dans le nom. Il y a Berli et Don. Berli, ça veut dire berliners, boule de beignet. Et Don, ça veut dire donuts. C'est ce que nous, on produit ici, c'est des beignets et des donuts. Voilà. On a créé le nom Berli Don, en ensemble les deux activités. Donc, Berli Don, c'est une société belge, internationale. On a une filiale 100% d'une groupe belge, une boulangerie industrielle. La construction a été faite en 2000 et on a commencé à produire à partir de fin 2000. Berli Don, son marché, c'est international. On est présent dans chaque pays en Europe. On fait beaucoup d'exportations, autour de 80% et 20% pour la France. Berli Don est situé à Loudun. Pourquoi à Loudun? Parce que Berli Don fait beaucoup d'exportations en Espagne. On n'est pas loin de la frontière parce que le transport de Belgique, surtout dans les produits congelés, ça coûte cher. Mais on monte aussi au nord de l'Europe avec nos produits. Bon, Berli Don, aujourd'hui, on est à 120 salariés et on tourne en 5-8 et on produit autour de 2 millions de pièces par semaine. C'est des beignets et des donuts congelés. Et aujourd'hui, bon, on a un chiffre d'affaires qui tourne autour de 15 millions d'euros. Et on continue à investir, c'est-à-dire que fin d'année, on pense à installer une troisième ligne. Aujourd'hui, on a deux grandes lignes qui produisent 24 sur 24 heures. Et la troisième ligne qu'on va installer sera opérationnelle en juillet 2009. Ça veut dire qu'on augmente encore la capacité avec un tiers dans le bâtiment existant. Et ça va encore donner des embauches aussi chez Berli Don. On produit les produits ici d'A à Z. Ils sont déjà prêts pour consommation, mais dans une phase de surgelation. Ça veut dire qu'ici, on a aussi un stockage de 2000 palettes, place de 2000 palettes surgelées à moins 25 degrés. On a un bâtiment de 6000 mètres carrés. Et c'était pas facile pour démarrer, quand même avec des aides un peu aussi de mairie de Loudun. On a commencé à embaucher, de trouver des gens à côté ici. Et aujourd'hui, bon, après 8 ans, on est déjà à 120, 130. Ça montre quand même qu'au niveau des emplois, on est important pour la région ici. Et qu'on est stable aussi parce que c'est pas une aventure pour une aventure. C'est vraiment un challenge et de devenir une entreprise stable et qui a envie d'agrandir et qui a envie d'embaucher des gens. Notre seul objectif, c'est du bénéfice. Voilà. Et ça, c'est la valeur que des actionnaires demandent et que des gens profitent aussi de ça. Berli Don essaie d'être meilleur, d'être compétitif au marché. Et je pense que après 8 ans ou 9 ans d'expérience, qu'on a bien réussi. Voilà.